en tournant la petite poignée, ouais. Ensuite? Ça, tu l'as déjà fait toute la poignée. Ça, c'est tu détaches, ensuite. Pardon? C'est pas côté. Ah, faut que tu parles plus fort là, sur le prochain c'est côté, je crois. Tu sautes du côté que tu veux? Ouais. Ok. Tu dis de côté, ah, la ceinture là? C'est ça? Ouais. Ouais, d'un côté comme le drone, ça marche. Juste en tournant d'un bord au l'autre, c'est pas ça marche. Derrière nous, en fait, on va la voir, on va se positionner comme ça, la mère, ton père vont pouvoir nous voir. On est bien heureux de ça. Bon, on va se retrouver dans la région de Saint-Dominique-Saint-Hyacinthe, qu'on a un golf kilo de Québec, présentement 5300 pieds. On va effectuer des figures de voltige entre 5000 et 2000 pieds. Ça fait un conflit, contactez le planeur golf kilo de Québec. T'es prêt pour faire des petites montagnes russes? Ouais. Est-ce que tu vois comme ça? Oui, très bien. Ready? Ouais. Ok, on en va. On va descendre un petit peu, on va prendre un peu de vitesse. Puis après ça, on va faire la chandelle. Ça va? Ok.
Est-ce que tu es à l'aise de faire un petit peu de vol inversé? Oui? Ok. On va juste faire un petit demi-tour. On va s'en positionner à côté de la piste. Après ça, on y va pour du vol inversé. On va regarder un petit peu s'il n'y a pas d'autres avions aux environs aussi. Regarde, je suis là pour ça, je suis instructeur de vol, donc je vais te montrer comment ça marche. Okay. Donc, là, tu peux mettre ta main droite sur le manche. OK. OK, donc, dans le fond, on voyait doucement ses commandes. Si tu pousses un petit peu sur le manche, on va commencer par voir ce que ça fait. Donc, regarde un peu, pousse un petit peu sur le manche. Vers l'avant, tu vois ce que ça fait? Si on pousse un petit peu, une petite pression en arrière aussi. Voilà, tu vois ce que ça fait? Ouais. Donc, si on commence, on repousse vers l'avant. Ouais, la distance entre l'horizon et le tableau de bord, ça a augmenté. Ouais. Si tu écoutes le soufflement du vent et l'anémomètre, tu vas voir la vitesse augmente pas mal. Et à l'inverse, tu fais une petite pression vers l'arrière, on va le détenir un petit peu pas plus haut que ça, mais là, ça réduit la vitesse. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça pour gérer la vitesse. Ça va? Ouais. Est-ce que ça tente d'essayer un virage? OK. OK. On va commencer, je vais regarder les angles morts pour nous, OK, comme en voiture. J'assume que tout est correct, on n'a rien de personne. On va faire un petit virage. Donc, pour faire un virage, tu vas mettre, on va y aller par la droite, un petit peu de manche vers la droite, et je vais t'accompagner au palonnier aussi. T'es prêt? Oui. OK. Donc, tu peux y aller, mettre un petit peu de manche à droite. Vas-y, et pour rester dans le virage, tu peux juste remettre la manche au neutre, mettre une petite pression vers l'arrière pour ne pas laisser venir tout le centre. Voilà. Laisse le nez sous l'horizon. Et voilà, ça prend pas mal à ça. Les ailerons posés, avec le manche à gauche. Et voilà. Qu'est-ce que
tout fait ça tout seul? Non. Cool, hein? Ouais. As-tu t'as essayé? Ok. T'es pas sûr? J'ai peur de le faire pas correct. Comment t'as dit ça? J'ai peur d'être pas correct. C'est, je veux pas être méchant avec toi, mais c'est clair que tu seras pas parfaite. Il y a pas de stress à avoir, ok? Ok. Et c'est ton vol à toi, puis je, regarde, si tu fais quelque chose qui me gêne, c'est sûr que je vais en prendre des commandes pour qu'on soit sécuritaire. Il y a pas de problème là-dessus. T'as fait quelque chose comme t'as fait là tantôt, c'est parfait. Okay. C'est bon? Ouais. Ok, on rassait un autre vers la gauche, tu sais. On a regardé l'angle mort. Ok, parfait. Mm-hmm. Tu peux y aller vers ça, un petit peu de marche vers la gauche. C'est assez doux ces cordeaux-là. Ils ont passé d'arrêter de virage maintenant, mais tu marches opposé. D'essayer un autre virage vers la droite, maintenant. Ok. Ok? T'es plus sûr, là. Ouais. Ouais? On y va vers la droite, avec un petit peu de marche à droite. Est-ce que je continue? On va arrêter le virage maintenant, donc marche à gauche. Excellent. Laisse le nez en dessous, là. Tu mets un petit peu de pression vers l'avant. Excellent. Excellent. Encore un petit peu de pression vers l'avant pour éviter la hauteur du nez. Regardez la ligne droite, on fait un petit peu de manche à droite. Doucement. Bien, c'est-tu un peu comme tu pensais? Ouais, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu reprends les contrôles? Ah, ben si tu veux, oui. Je vais reprendre après ça, savourer le paysage, j'ai pas de problème. Je sais pas où aller. Ah, ok. Ben moi, si je te dis pas de tourner, c'est parce que je suis en train de gérer le vol pour qu'on se ramasse en arrière. Ah, ok. Là, c'est plus la texture. On va essayer de faire un petit virage vers la gauche, c'est quand même assez prolongé. Donc, on regarde le trafic, c'est beau. Marche à gauche un petit peu. Quand il met les briques, là, ça chèque de tout. C'est impressionnant.